Bonjour à tous, eh bien on se retrouve alors que le déconfinement a commencé, déconfinement partiel, donc les cours n'ont pas repris encore et il n'est pas prévu pour l'instant au niveau national de reprise des clubs d'arts martiaux. Tout ce qui est activité sport de combat et arts martiaux et reste interdite en extérieur comme en intérieur. Donc on verra. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, eh bien on repart sur une autre séance. Cette fois-ci, ça va être une séance dehors, puisque on n'a plus les limitations d'un kilomètre autour de soi. On peut aller un petit peu s'aérer à l'extérieur, et puis bon, vous avez tous, je pense, une forêt, un bois, un parc autour de chez vous. Et puis bah, si c'était pas le cas, même chez vous, de toute façon, les mêmes exercices peuvent s'exercer dans votre intérieur sans aucun problème, sachant que sur toute la partie où on court, eh bien si vous le faites à l'intérieur, bah, vous le faites en sautant ou en faisant du vélo d'appartement ou en faisant de la corde à se sauter ou du shadow boxing comme je vous l'avais montré les dernières fois. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités. Donc bah, j'espère que vous vous portez bien et que vous allez continuer de vous porter bien et même mieux. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Et puis en plus, ce week-end, il était prévu le stage intensif, le bootcamp. Donc on se fait un mini bootcamp à notre façon, entre nous et avec grand plaisir. Allez, bon entraînement, on va commencer sur l'échauffement par courir. Donc on ne va pas filmer toute la course, là on va partir sur une demi-heure de course, mais on ne va pas filmer une demi-heure à me regarder courir, ça ne sert à rien. Donc on passera d'ici quelques secondes à la suite, mais en réalité, vous courez, vous, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, plus, même si vous le voulez, il y a aucun souci, ça dépend de votre niveau personnel, toujours pareil, ça dépend de vos capacités, de votre niveau, de vos possibilités, mais au minimum, quoi qu'il en soit, 10 minutes pour l'échauffement, c'est un minimum, un strict minimum. Maintenant, pour travailler cardio, le minimum, c'est 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, donc moi, je pars sur une demi-heure. Si vous voulez faire un petit peu moins, un petit peu plus, il n'y a aucun souci. Voilà, eh bien, vous me suivez, on y va. N'hésitez pas à changer, à faire des pas chassés par exemple, de varier un petit peu. En regardant bien où vous allez toujours, le scanning. En changeant de côté. Vers l'arrière. Vers l'avant. Devant.
haut. Alors là, ça descend. Donc là, déjà, l'avantage de la descente, c'est qu'après, il y a la montée. Au bout d'une demi-heure de course, une demi-heure ou comme j'ai dit, hein, un peu plus ou un peu moins, qu'importe, hein, on va s'arrêter un peu. Allez, on va faire quelques pompes sur les mains par exemple. Ben voilà, on a un petit obstacle, on descend, on bloque, on revient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On plie une jambe, on descend, on fléchit. On tend la jambe. Alors vous pouvez le faire donc sur un obstacle quelconque, mais s'il n'y a pas, bah, vous le faites tout simplement par terre, il n'y a pas de souci. Puis on va inverser, on a fait les pompes dans le sens facile. Ceux qui peuvent, hein, faut pas non plus, si vous avez mal au dos, forcez pas, ça ne doit pas vous tirer au niveau des lombaires, mais on peut autrement le faire à l'inverse, donc les pieds vers le haut, les mains en bas. Alors si vous avez des mitaines pour ce genre d'entraînement, bah, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc là, on se met en appui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. L'avantage de la descente, c'est qu'après il y a la montée, comme je vous le disais, et ça travaille bien pour les jambes. Donc là, on va faire quelques fentes avant. Donc, on fléchit la jambe avant. On pose les mains sur le genou. On fait 1, 2, voire 3 à coup. On avance. 1, 2, 3. On avance. 1, 2, 3. On avance. On peut le faire en deux temps. Après, on peut le faire en restant en garde, semi-passif, et on descend bien. Puis on peut le faire avec un coup de pied. On fléchit bien, un coup de pied. On fléchit, un coup de pied. On fléchit, qu'importe la hauteur, ça peut être là, c'est pas un problème. On fléchit, ça peut être là. On fléchit, flexion, et on repart en courant. Et vous soufflez. Donc là, on va faire un petit peu de point, on va se mettre en garde,
et en déplacement, petit déplacement, coup de poing direct, coup de poing direct, coup de poing direct. Allez, 1, 2, 3, 4, toujours en fermant bien le poing, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on accélère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ok, donc après direct, on va faire direct coup de coude, toujours pareil en déplacement, on a de la place, hein, donc je vais aller toujours dans la même direction, donc 1, 2, avec un petit pas de départ, donc ça donne ça, direct, coup de coude, direct, coup de coude, direct, coup de coude. Donc le déplacement on le fait sur direct, et l'idée c'est que tout de suite après, on enchaîne le coup de coude sans déplacement. Donc, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on reprend en courant. C'est parti. Ok, alors là on va reprendre sur des techniques dans le vide encore. Hein, on a toujours pas de partenaire, donc on fait comme on peut. Là on va faire coup de genou direct, donc simplement coup de genou direct, coup de genou direct, coup de genou en avançant les hanches. Donc on y va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche, on repart en courant. Alors, tout à l'heure, je disais, vous pouviez mettre éventuellement des mitaines. Donc, je vais les mettre. On va faire quelques petits exercices aussi sur les mains. Donc, c'est pas une obligation, hein. Simplement dans la forêt, par terre, des fois on peut avoir des ronces, on peut avoir des orties ou autres, des cailloux, des choses qui peuvent vous blesser bêtement. Donc là on va faire un petit peu de marche à quatre pattes. On va se mettre comme ceci et puis on va avancer une jambe et un bras en inversant comme ceci. Vous soufflez. On va continuer sur ce travail de coordination et de gainage simultané. Alors ça paraît tout simple, hein, c'est des exercices que les enfants font tout à fait naturellement et puis petit à petit on perd ses habitudes et puis quand à l'âge adulte on le fait, ben on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Donc là on va synchroniser un pied, une main, donc on se met de la même façon sur les mains, sur les pieds, et puis d'ici on va avancer en même temps une jambe, un bras, une jambe, un bras, une jambe, un bras. Et là c'est pas évident, c'est de faire les deux. Allez, c'est parti.
Et on va faire en marche arrière. Là, on va se mettre ce qu'on appelle en crabe. Donc juste ça. Alors au préalable, bien sûr, il faut connaître un tout petit peu le terrain. Et c'est pour ça qu'avec des mitaines, ça va un peu mieux. Il faut se retrouver sur des cailloux, sur des ronces, sur des orties. On relâche. Après, on repart marche de l'ours. Donc là, les jambes tendues. Les jambes tendues et on avance. On relâche, on va repartir en courant par là-bas. Et là, c'est idéal, comme ça monte, on va travailler un peu les coups de pied. Hein, donc, on se met en garde et on fait un coup de pied. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, plus fort, hein. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Donc la montée permet de travailler beaucoup plus les cuisses, ça fait du bien. Et on part en courant, allez, c'est parti. Alors, ben là, on va se servir d'un arbre. Déjà, on va faire quelques étirements. On se met une jambe tendue, on descend devant. Toujours la même chose, la hauteur que vous voulez, que vous pouvez, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est garder la jambe tendue, de bien descendre et de sentir que ça étire bien musculairement, correctement. Donc, on descend, fléchit un tout petit peu. On retend, on descend. Allez, là on va travailler plus circulaire en variant les hauteurs. Donc on va commencer un petit peu en low kick par exemple. Donc là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 10. Donc on tape avec les tibias et là en fonction aussi de vos capacités, de votre endurcissement déjà personnel des tibias, bah vous tapez plus ou moins fort dans l'arbre, en essayant de ne pas l'abîmer quand même, il faut rester écolo, on ne tape pas à fond, mais à fond de toute façon vous n'allez pas en faire trois. Ça sera le tibia, il lâchera sur l'arbre. Hein, on refait encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, maintenant le coup de pied circulaire plus classique. On varie les hauteurs, on monte à niveau moyen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant on fait les trois hauteurs, en bas, au milieu, en haut. Donc on commence jambe arrière, là en circulaire puis en low kick. Allez, 1, presque la même chose, sauf que là on travaille avec le dessus du pied et le tibia. Même jambe, 2 moyens, 3 plus haut,
Encore un en bas, deux, trois, un, deux, trois. On change de jambe, donc direct de la jambe avant, un, en bas, deux, milieu, trois, en haut, un, deux, trois, 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 on relâche, allez, coup de poing, un, deux, du bras avant, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On relâche. L'autre point. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On déhanche à chaque fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On relâche. Allez, on va aller à côté juste. Se servir de l'arbre. Dans les forêts, dans les bois, il y a toujours des arbres morts. Donc on va travailler un petit peu l'équilibre. On monte dessus. Voilà, il tient bien, il est costaud encore. Hein. Puis de là, on va rester sur une jambe et on va se mettre en équilibre. Et on va tendre la jambe devant légèrement, côté arrière, devant, côté arrière, devant, côté arrière. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On relâche, on détend un petit peu. Alors, ces exercices sont des exercices de proprioception, au niveau de la proprioception. C'est un sens, presque un sens, hein, on pourrait presque dire un sixième sens, hein, qui nous permet de nous tenir, d'une part, en station debout, mais de nous tenir toujours dans des situations de déséquilibre, sur des situations d'inconfort au niveau du sol, sur des situations d'étonnement. On marche dans la rue, il y a un petit trou dans le sol, et ben si on a une bonne proprioception, pas de problème, on va amortir, on va récupérer. Si on a une mauvaise proprioception, on va sur une entorse, ce qui arrive des fois à l'entraînement ou en stage. On a soit on est très fatigué, soit on a un manque de condition physique, soit on a un manque de proprioception. Et quoi qu'il en soit, si on a ce manque de proprioception, eh ben, le manque de condition physique, la fatigue, ne pas avoir bu suffisamment, va amplifier les choses. Et des fois, vous avez une entorse et vous vous dites « Oh, j'ai pas de chance ». Et souvent, c'est pas une question de pas de chance. Souvent, c'est une question tout simplement, eh bien, il n'y a pas cette proprioception qui est assez affûtée et le moindre déficit. Et puis vous bousillez. Là, je vois un arbre qui est quasiment mort. Hein. On y va. Et là, en équilibre. Alors, cette configuration, vous ne l'aurez peut-être pas, bien sûr, hein, mais qu'importe. Hein. Mais là, ça me permet de taper sur l'arbre un peu plus fort sans problème vis-à-vis de l'écologie. Donc là, coup de pied direct dedans. On va en faire quelques-uns sur le tronc et puis après on les refera à côté pour taper plus fort. Allez, 2, 3, et on revient. 4, 5, à chaque fois on rétablit l'équilibre. 6, c'est plus dur. 7, 8, 9, 10. Et là, on voit vraiment le lien direct entre ce que je vous disais sur la proprioception et le Krav Maga. Sur un coup de pied, et bien là, on sent bien, si on n'a pas une bonne proprioception, c'est impossible à faire. Allez, encore. 1, 2,
3, 4, 5, on vise bien, bien sûr, 6, on maintient les bras en garde, 7, 8, 9, 10, on relâche et on redescend de l'arbre. Et là, on va pouvoir taper aussi en marteau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe en la même chose de l'autre côté. Donc, 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. En paume de main. Alors, comme je vous dis, là, si on abîme l'arbre, hein, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez bien, il est mort. Il est déjà cassé depuis longtemps. Et il va pas tenir très longtemps encore. Allez, paume de main. 1, 2. Donc au fur et à mesure, hein, on casse un peu l'écorce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on peut travailler soit en garde-combat, soit en semi-passif, hein, comme vous voulez, vous pouvez varier, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours avec ce travail de hanche, toujours, toujours. Un coup de pied. On n'a pas fait le coup de pied de côté, donc on va travailler un peu le coup de pied de côté. Donc, on se met de profil. Et de là, donc, coup de pied de côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on peut le faire plus bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on peut alterner plus bas, plus haut, allez, 1, 2, 3, à chaque fois il y a les cordes qui descendent, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je vais profiter que l'arbre soit mort pour refaire une petite série de low kicks. Mais cette fois, on peut taper un petit peu plus fort. 1, donc là, on peut taper. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Là, j'en vois un autre qui est carrément, lui, complètement fini. Et puis, pour s'amuser, on peut aussi taper plus fort dedans. Là, on peut plus côté, par exemple. Et là, il y a des ronces partout. Là, on peut le frapper. Et on va le casser. Voilà. Pour s'amuser. Donc, eh bien là, un petit muret, toujours se servir de tout ce qu'on se trouve, tout ce qu'on trouve. Tout ce qui se trouve sous la main finalement, et ce petit muret va nous permettre de travailler un peu triceps,
Donc les triceps, on se met en appui sur les mains arrière, jambes tendues, et on va fléchir, jambes bien tendues, on va fléchir les bras et remonter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On relâche. On souffle un peu. Étirez un peu, toujours les jambes. Là, on attrape un pied en arrière, à l'opposé. Change de jambe. En s'attrapant, en s'aidant ou pas de quelque chose. Et on repart sur une deuxième série. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, vingt, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, trente, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. On relâche. Oui, on en a fait un peu plus, hein. Souvent, je fais une première série de 50, après je descends, je dis toujours moins, 49, et puis après 48, ben là, on va faire en pyramidal. On a commencé à 50, on est passé à 60, et puis on fait une deuxième série à 50 par exemple. Allez, on étire encore un petit peu la jambe. Alors cette fois-ci, on attrape sur le côté, on soulève, on change, l'autre jambe, on soulève. On relâche, on étire un petit peu aussi les triceps, toujours travail renforcement musculaire, étirement, en plus du travail agoniste-antagoniste des muscles. Et dans le dos, on tire et on change, on tire bien sur le poignet. On repart sur la troisième série. Allez, on force. Donc ceux qui n'arrivent pas à faire toute la série, au lieu de faire trois séries, vous faites quatre séries ou cinq séries, mais vous essayez de faire 160 triceps en tout. Hein, donc là, moi je suis parti sur 50, 60, 50, mais les 160, vous pouvez le faire en 4 fois, hein, 4 fois 40 ou en 5 fois ou en 6, hein, qu'importe, mais vous essayez d'en faire 160. Allez, c'est reparti. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On garde les jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, allez en force. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
50. Ok, on relâche. Et c'est reparti en courant. Allez. Alors. Allez, on va travailler un petit peu de technique quand même. On va revoir le 360 par exemple. Hein, donc 360. On a un semi-passif. On bloque tout en contractant en même temps. Tout en contractant en même temps. Ou en coup de poing. Alors à savoir que bien entendu, c'est sur la partie basse qu'il est plus important de reculer les fesses. Sur la partie médiane, c'est beaucoup moins important, mais si vous le faites, très bien. Partie haute, ça dépend, hein. Il y en a qui le font en se reculant complètement, il y en a qui le font en se reculant un peu moins. Quoi qu'il en soit, il y a toujours ce risque au niveau de la lame. Donc c'est mieux, hein, de reculer les fesses comme ça. Alors d'un côté, de l'autre de la même façon. Qu'on peut faire tout doucement. On peut faire en alternant. Droite-gauche. Donc n'hésitez pas à le répéter. Hein. Je ne vais pas le faire pendant une demi-heure, mais vous, si vous voulez le faire pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça fait toujours du bien. Hein. C'est vraiment un très très bon exercice. Alors, en parallèle à cela, il faut se rappeler de la réalité. Hein. Là, c'est pour travail de réflexe. Maintenant, derrière, il y a la contre-attaque, normalement. Donc, sur le premier 1, par exemple 2, et je m'en vais. Sur une technique basse, même chose. 1, d'ici, je frappe dans les parties, je vais scanner et je m'en vais. Si on est sur une hauteur moyenne, 1, je reviens en frappant, je scanne, je m'en vais, etc. Alors, comme je vous l'ai dit sur les précédentes vidéos, comme on répète plein de fois dans le vide, on n'est pas obligé à chaque fois de scanner, de partir. Donc on peut le faire plus direct. Donc 1, 2, en entraînement. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On peut accélérer. Etc. etc. Enchaînez-en suffisamment pour vraiment que ça devienne un prolongement du corps et un prolongement de technique naturelle. Donc, troisième étape sur le travail de 360, c'est en enchaînant, donc, on est ici, blocage contre-attaque, je repousse bien la main, j'attrape, coup de genou, coup de pied, éventuellement je récupère le couteau si besoin est. Huh?
suis pas rentré dans les détails, donc je vais re-rentrer dans les détails par rapport à ce 360, sachant que, bien entendu, hein, c'est un cours virtuel, c'est rien ne remplace l'entraînement, et même pour se remémorer les étapes du 360. Donc on part en semi-passif. Quand il attaque, par exemple, sur cette attaque de haut en bas, on va reculer les fesses, en même temps se protéger avec l'avant-bras à 90 degrés, la main ouverte si possible, pour pouvoir après récupérer, avoir une préhension du bras de l'adversaire. Donc on est ici. Et troisième point, on contre-attaque en même temps, soit les doigts dans les yeux, soit paume de main, soit coup de poing. Et donc les trois ensemble, ça donne ceci. Puis de là, je repousse le bras de l'adversaire tout en donnant un coup de genou. Premier coup de genou, deuxième coup de genou, et éventuellement coup de pied ou coup de tibia dans les parties. Normalement, il a lâché le couteau. Si jamais il n'a pas lâché le couteau, j'attrape le poignet, je recule au bout, je tourne, je récupère le couteau en lui faisant une clé en cavalier. Puis, je peux frapper avec le manche du couteau, hein, jamais venir terminer pour l'achever. On n'est pas en guerre, fort heureusement. Je remonte doucement en décomposant bien, on est en semi-passif. Contre-attaque. Point, doigt, paume de main, comme on veut. Je recommence. 1. Je repousse la main tout en donnant mon coup de genou une fois, éventuellement deux fois. Je récupère le couteau. Normalement, il est déjà tombé le couteau. Hein. Dans 99% des cas, il va être tombé. Il a pris un coup de poing dans la tête. Il a pris un coup de genou dans les parties. Il a pris un coup de genou ou un coup de pied ou un coup de tibia dans les parties en plus, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas lâché le couteau. Mais bon, au cas où, il y a encore une possibilité. Voilà. Si on est sur l'attaque dite orientale, hein, de bas en haut, même départ, semi-passif, j'abaisse en contre-attaquant, pareil, les doigts dans les yeux, paume de main, coup de poing, comme on veut, tout en reculant bien les fesses, tout en ayant le bras à 90 degrés, je contre-attaque. Puis j'enroule le bras en avançant tout en frappant coup de genou. Pareil, une fois, deux fois, je colle bien au niveau de mon propre buste. Et éventuellement, je rattrape une troisième fois si jamais il n'a pas lâché son couteau. Mais normalement, il l'a lâché. Donc sur l'attaque dite orientale, hein, de bas en haut, en remontant, comme ceci, défense 90 degrés avec l'avant-bras en bas, coup de poing en contre-attaque, j'enroule en donnant mon coup de coude et je ramène bien mon avant-bras sur moi, tout en frappant un coup de genou, éventuellement un deuxième coup de genou. Là c'est pareil, normalement il a lâché. Si jamais il n'avait pas lâché, je peux récupérer le couteau. Mais normalement, c'est lâché. Je remonte doucement. Ici. Et là je frappe bien. Et on le répète. On le fait comme ça quelques dizaines de fois doucement, puis après on le fait plus fort. On le répète de nombreuses fois encore, et puis on repart en courant. Allez! Et donc, se servir aussi en dehors des obstacles naturels, il y a aussi des fois, comme ici, des bûches, et on peut s'en servir
pour corser un petit peu la situation. Donc là, par exemple, on peut partir en squat. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Alors on va faire quelques abdominaux parce qu'il y en a certains qui nous ont envoyé des messages en étant tristes de ne pas avoir fait d'abdos depuis très 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 longtemps. Alors j'espère que vous en faites quand même de temps en temps. C'est vrai que sur nos vidéos j'en ai pas fait parce que bon, c'est tellement une évidence pour moi quasiment tous les jours. Donc on va faire quelques-unes ensemble, quelques-uns. Alors là, avantageux, je suis légèrement en pente inversée, donc c'est un petit peu plus dur, donc c'est pas mal. Main derrière la nuque, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gauche, droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et jambes fléchies en l'air. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coup de genou opposé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repose les jambes, on soulève le buste, 1, et on relâche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on contracte bien, 9, 10, on contracte bien en force, en force, en force, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, c'est quelques centimètres, mais c'est important de rester. 4, 5, 6, c'est quand on relâche pas complètement comme ça, juste semi-contraction. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bras tendu, droite, gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on touche les talons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les mains sous les fesses, battement de jambes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On décrit deux aires de cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on s'inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, on relâche, on descend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on s'assoit, on plie en temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou avec appui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jambes écart, avec les doigts on touche les orteils opposés, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche, on se met de profil, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ceux qui peuvent, en soulevant complètement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change de côté. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, ceux qui peuvent en soulevant, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors bien entendu, j'enfléchis en l'air, on se soulève en même temps que je parle, on continue. Bien entendu, là, avec le dénivelé, légèreté qu'il y a, les exercices sont beaucoup, beaucoup plus durs. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire dans des endroits différents comme celui-ci. Et en plus, dans une ambiance champêtre. Mais vraiment, chercher de temps en temps d'autres difficultés. On continue encore. On le fait juste comme ça, en endurance, pour continuer de bien, bien frapper. Pour bien bien travailler sur les abdominaux, j'allais dire frapper sur les abdominaux, bah justement ça me donne une petite idée, on va en profiter. Alors de là on va taper un peu sur les abdominaux, voilà. Allez, on tape, on contracte. Plus fort, on accélère et on relâche. Allez, on arrête pour les abdos et on va reprendre et d'ici coup de pied, 1, 2, 3, 4, vous variez les hauteurs, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on complique un peu, avec flexion, 1, et 2 coups de pied, 2, et 2 coups de pied, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Alors, comme je vous disais, hein, dans la forêt, on peut trouver tout. Bah là, je suis tombé sur une benne, je ne sais pas exactement ce que c'est.
Ah, mais en tout cas, ça va me servir. Alors, on va refaire encore sur le coup de pied de face. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, bien entendu, si vous n'êtes pas suffisamment souple, vous reculez et vous faites le mouvement plus facilement. Si vous êtes assez souple pour monter là, effectivement, vous pouvez le tendre ici, mais autrement, c'est difficile. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Voilà, et bien après deux petites heures de travail, on va arrêter ce cours. Donc, on va faire un Kida déjà. Kida! Merci beaucoup de votre attention, de votre écoute. Et puis, les exemples donnés aujourd'hui sont des exemples parmi tant d'autres. Bien entendu, vous pouvez garder les mêmes trames de travail en extérieur et puis changer les enchaînements techniques, par exemple, en prenant le travail que l'on a sur le site. Hein, sur le site, il y a quand même énormément d'apports techniques, pédagogiques, théoriques. N'hésitez pas à vous en inspirer, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi faire un mix entre les différentes vidéos qu'on a pu vous faire. Travailler parfois sur sac si vous en avez un, sur un élastique, sur une ficelle, sur une corde, sur un arbre, dans le vide, sur du droit, sur de la pente, sur de la descente, sur de la montée. Il y a plein de choses qui permettent de varier votre entraînement personnel. Bien entendu, je ne suis toujours pas derrière vous en permanence comme sur un entraînement classique, mais d'une part, le cœur y est, et puis d'autre part, vous enregistrez quelques instants, vous regardez à la limite sur votre téléphone, et puis ça vous redonne un petit peu de peps, un petit peu d'énergie. Et puis de toute façon, dès qu'on pourra, on se retrouvera ensemble pour de nouvelles aventures martiales, d'entraînement, et puis j'espère plein de bons moments ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. On refera certainement une vidéo d'ici 8-10 jours, puisque ça m'étonnerait que ça change les éléments avant la fin du mois. Par contre, j'espère qu'à la fin du mois, on aura d'autres éléments plus positifs pour nous permettre de nous regrouper et de nous retrouver pour le Krav Maga ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation, et puis à bientôt. Allez, au revoir.